Hello, hello Alors, on va mesurer la foule euh, du jour. J'ai pas renoncé, tu vois, Olivier, comme ça faisait un moment que j'avais pas fait... Euh, j'avais zappé quelques... Euh, quelques calmes avec les différentes conférences. Je me suis qu'aujourd'hui, quand même, sinon à cette vitesse-là, je vais finir par repartir en vacances, avant d'avoir restreamé. Ouais, mais c'est bon, vous êtes, vous êtes plusieurs. Du coup, du c'est. Coup, ah, le volume est bas. Ouais, j'ai. J'ai la joie et l'honneur de me dire que mon setup, plus ça va, moins ça va. Euh, c'est un truc que je change régulièrement. Je vais remettre le réglage que j'avais avant. Vous allez me dire ce que ça fait. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça ou est-ce que c'est trop Qu'est-ce qu'il me dit, mon mélangeur audio Il dit que c'est un peu plus, mais que c'est pas. Je peux faire mieux. Euh... Toc, toc, toc. si mais je peux monter encore là et jusque là ça commence à être pas mal je pense yep après c'est parce que j'ai une voix douce et délicate c'est pour ça vous m'entendez moins que d'habitude c'est pour ça je veux pas d'autres explications non mais dites moi si ça va un peu mieux le volume je, je pense que Ouais, je pense qu'il faut que je rapproche aussi le micro, mais il n'est pas loin, hein. je, suis à, je suis à moins de 20 cm, hein. il n'y a pas de raison. Ce qui me surprend en fait, et euh, il y a. Alors, si c'est beaucoup la couche audio, euh, toutes les dernières mises à jour de macOS ont apporté des changements, euh, pas toujours documentés. Euh, je pense que c'est dans la couche qui gère les drivers, mais au sens très général, quel que soit le, ce que vous utilisez. J'ai eu plein de pets avec euh, Firefox récemment. Et ça venait, euh, ça venait de macOS, puisque les mises à jour ont redressé le truc. Euh, c'est toujours aussi faible, là. Parce qu'après, je peux mettre beaucoup plus fort, mais... ouais après, si vous êtes sur enceinte, c'est vrai qu'entre le casque et l'enceinte, ça ne fait pas la même chose. Mais euh, clairement... Euh, ouais, si, ça serait, ça serait à peu près le réglage que je ferais normalement. Je peux encore me rapprocher un peu, ouais, comme ça, genre. Euh... <laughs> Mais en fait, là, euh, pour info, je vous avais présenté le. J'utilise Audio Hijack euh, pour faire une chaîne audio un peu traitée et propre. Et je mets un petit peu d'amplification de... euh, autour de 100%. Alors, j'étais. Longtemps, j'ai été autour de 200%. J'étais revenu à 120% parce que c'était pas. C'était euh, trop fort, donc j'étais redescendu, et là c'est à nouveau faible. Et je vous garantis que je sais que j'ai des changements dans la, dans la stack audio côté macOS. Donc je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est ma façon de l'utiliser, mais je ne fais rien de, de super méga exotique non plus. En tout cas, mon critère, normalement, je ne sais pas si tu fais pareil, Olivier, mais j'utilise le. La partie, le mixeur audio, le mélangeur audio de, de OBS, et vous avez une zone qui est en vert, une zone en jaune, une zone en rouge. L'idée, c'est d'être dans le début de la zone jaune, sans aller jusqu'à saturer dans la zone rouge. Normalement, c'est là où tu as le signal optimum. Mais euh, voilà, ça, ça varie. Mais écoute, New Web, sache que c'est Audio Hijack de Amoeba. J'utilise en conjonction aussi avec Loopback. Eh bien, euh, allons-y. Vous êtes euh, vachement euh, plus nombreux, donc euh, j'ai dit que j'abandonnais pas les orphins d'Olivier qui a jeté l'éponge dans cette période estivale. Moi, comme ça fait plusieurs fois que je stream pas, j'ai dit en avant. Et puis, euh, si vous avez suivi un petit peu sur Twitter, j'ai euh, récemment fait des messages montrant que bah, je fais ça pour le plaisir de partager. Après, il y a du monde, c'est génial. Il y a Moins de monde, bah, c'est pas grave, faut pas, pas mettre son ego là-dedans. Donc, euh, que vous soyez 2, 3, ou euh, 12, ou 50 ou euh, 500, euh, ce sera avec plaisir de la même façon. Eh bien, on va commencer d'abord par hop, les présentations d'usage. Si vous voulez rejoindre le Discord de l'émission, si vous voulez venir papoter les sujets qui sont euh, évoqués ou plus, si on voit vous vos envies, vos idées, n'hésitez pas à venir discuter avec nous dans le Discord. Hop, je mets à jour ce qui va me servir à faire le, le replay juste derrière. Bah moi non plus, je ne sais pas combien on est sur Terre, je sais plus où on en est. C'est. Je, je sais pas. Je ne saurais pas te dire. Pas, pas au million près en tout cas. Euh, et puis ben bah on, on va y aller. On est trop probablement. Ouais, yes, je suis assez d'accord. Surtout moi, je suis trop. <laughs> On va se partager tout de suite, euh, hop, la petite, euh, la petite actu. J'ai, euh, alors toc, je remonte un peu. J'avais et j'ai toujours un gopher badge euh, que j'utilise notamment dans le talk que je fais. Euh, avec et sans Aurélie, d'ailleurs, ça dépend des versions au sujet de TinyGo, Et donc, le Gopher Badge, c'est euh, ce, ce device avec un écran, des boutons, des LED RGB, tout ça, un tas de belles choses que Daniel, en conjonction avec d'autres personnes, a mis au point pour mettre en avant tout ce qui est TinyGo. Et euh, il se trouve qu'à la GopherCon, euh, j'avais découvert. Alors, c'était un peu plus. Hop, hop, on remonte avant, avant qu'Aurélie fasse ses yeux de chapeauté. Il avait fait du teaser pour un nouvel objet, euh, voilà. Et euh, voilà, il avait fini par annoncer ce que c'était. Donc c'est pas, vous allez voir, un, un objet très complexe, mais hop, on va repasser. J'ai pas mis l'autre caméra, ça ira aujourd'hui, je pense. Tada, le voici, le voilà. Il s'agit du nouveau projet de Daniel Esteban de Conero que je remercie. Voilà. Euh, il s'agit d'un d'un MTag, donc là, pardon, ici la, la zone blanche, euh, je vais écrire au je vais écrire au marqueur dessus euh, mon nom, ce que je veux. Il y a un petit euh, un petit gopher de, de tiny TinyGo sur le côté. Euh, il y a la puce qui est dessus et donc pas du tout. C'est la plus petite euh, le plus petit microcontrôleur que j'ai vu passer avec du TinyGo. Il s'agit d'un il l'a mis là un ATtiny tiny 1616 avec 16 kg. Donc, euh, vous voyez, hop, derrière, en haut, en noir, c'est en fait une broche. Voilà, que je peux épingler à un habit. Et c'est alimenté avec une pile, euh, une 2032. Et donc, il y a, si je vous le remets en route, voilà, deux magnifiques, une magnifique ligne de LED. Et en suivant ce qu'on appuie sur le bouton, il y a plusieurs modes qui existent. Voilà, vous avez plein de variations, couleurs, fixes, euh, voilà, un petit mode silent. Et puis vous écrivez votre ton, vous pouvez vous balader avec ça. Et quand vous avez fini, donc il y a un deuxième bouton à l'arrière. J'ai pas tout décortiqué, il n'y a pas la doc avec, on peut l'éteindre. Voilà. Euh Non, c'est un attiny 1616 et c'est euh, encore une autre galaxie de microcontrôleurs. Euh, euh... Alors en l'occurrence, c'est fait pour, euh, pour, euh, pour porter son nom en conférence avec des petites lumières avec différents modes. Euh, même si... Alors là, ça va être difficile de vous le montrer, mais. Ouais, J'ai pas le bon éclairage en face, mais. Alors... Ici, à cette hauteur-là. Là où il y a mon doigt, à côté du petit logo, il faudrait vraiment que je mette l'autre caméra, mais voici, on les voit là. Il y a trois petits pads là, voyez vers ma bague en haut là ici. Donc je pense qu'il y a moyen quand même d'aller euh, faire un certain nombre de choses, mais euh, le but c'était pas de le programmer, le but c'était euh, bah, d'abord de, de soutenir tout ce qui est autour de TinyGo, euh, parce que je trouvais cool ce projet de Daniel, donc euh, voilà. Mais je vais bien évidemment lui poser la question de s'il y a moyen de reflasher les choses ou pas. Euh, donc voilà, c'était le dernier colis que j'ai récupéré. Euh, et puis euh, donc c'est très très simple hein, comme microcontrôleur et euh, de manière assez surprenante, c'est pour ça que je vais lui poser la question. C'est pas du tout dans la famille des microcontrôleurs habituellement euh, supportés par euh, par TinyGo. Donc euh, je suis curieux de savoir comment, comment il a développé et programmé tout ça donc je vais je lui poserai les questions je sais qu'il est, il est occupé en ce moment euh, il a ses préoccupations et je le recontacterai euh, par curiosité bien sûr et je vous tiendrai au courant non 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 mes chers quand je te dis euh, Attiny c'est une euh, si tu recherches Attiny tu vas découvrir que c'est toute une famille euh, il y en a toutes, le, le 85 est très connu aussi là le 16-16, je ne le connaissais pas spécialement c'est des des microcontrôleurs hein, c'est c'est le petit nom de Tiny AVR. C'est une famille. Voilà. Si on va voir la page Wikipédia qui correspond, euh, en fait, euh, c'est euh, Atmel qui, fais, qui, fait, ou qui faisait ça, ou qui a été racheté par Microchip. Okay. Euh, et donc, tu vas, tu vas trouver tout un tas de, de microcontrôleurs plus ou moins connus, plus ou moins puissants. Euh, je ne saurais pas te dire si ça continue d'évoluer encore aujourd'hui comme architecture, mais, euh, mais voilà. Donc, je peux te donner. Hop. le lien de ce que je suis en train d'évoquer si obs me fait voilà le plaisir de bien vouloir envoyer un lien et je vous ai mis le lien du euh, hop le lien du tweet je vous ai déjà donné ça tout à l'heure euh, là hop, je vous le remets du comme ça tu peux éventuellement poser les questions c'est un projet euh, je pense c'est pas euh, comme les autres projets de Daniel, ça n'a pas vocation euh, commerciale. Il euh, n'y a pas de question de rapport qualité-prix, de marge, et de je ne sais pas quoi. Euh, voilà, je ne sais pas s'il en fera d'autres. Pour l'instant, je pense qu'il en a plus. Mais euh, oui, oui c'est vraiment le microcontrôleur ATtiny, C'est une famille de microcontrôleurs. Et ici, on a attiny Tiny 1616. C'est comme si je t'avais dit tout à l'heure, tu parlais. Si je dis pas de bêtises, attends, je remonte. Tu parlais du microcontrôleur de la fondation Raspberry, donc c'est le RP2040. Bon, ben là, c'est du ATtiny1616. Et euh, oui, oui, bah, euh, après, euh, c'est parfaitement capable de, avec une simple pile, donc c'est du 3 v 3 euh, c'est capable de gérer, euh, de gérer une bande de LED avec un certain nombre de, de choses, puisqu'il y a plein de petites animations, donc euh, oui, oui. Euh, et je crois que c'est parce que j'ai vu une référence dans, que j'ai recherché tout à l'heure C'est un, ça fait partie des familles de microcontrôleurs qui sont souvent utilisés quand on veut faire des, des petits bijoux un petit peu euh, vous savez des earrings comme ça des, des boucles d'oreilles avec un petit peu des leds euh, et bien on arrive avec les ATtiny à avoir quelque chose de très petit euh, je vais pas vous dire de bêtises mais euh, le, le chip en lui même là il doit faire euh, franchement il doit faire 2mm de côté un étroit tout, tout cassé donc ça fait vraiment un tout petit carré qui est facilement euh, utilisable. Donc voilà, et, euh, et je ne sais pas si je jouerai à proprement parler avec, parce que c'est peut-être pas programmable, peut-être que c'est flashé et que c'est assemblé. Hein. Moi ça ne me choque pas, je ne l'ai vraiment pas pris dans, dans cette intention-là. Mais... mais je vous tiendrai au courant euh, pour que je vous dise ce qu'il en est. Donc voilà, toujours un petit peu de tiny-go. J'en ai parlé tout à l'heure, si j'ai pas trop fait de... De stream ces derniers temps, c'est parce que j'ai enchaîné toute une triplette, la quadriplette, entre. J'ai eu la chance de pouvoir donner des talks à VoxDays Luxembourg, à Sonytech et RiviraDev, et puis il y avait le Hellfest au milieu aussi. Donc ça occupe bien, et j'ai donné plusieurs fois, le... notamment le talk TinyGo, et euh, voilà, je l'ai adapté un petit peu petit à petit, et c'est toujours, toujours très très sympa. Euh, non, il ne s'agit pas de faire de reverse de quoi que ce soit, puisque. Je vais demander directement à Daniel qui partage avec grand plaisir tout ce qu'il fait. C'est pour promouvoir le langage, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je, je ne sais pas s'il a prévu que ça soit programmable tel que c'est, euh, physiquement tel que c'est installé. Est-ce que c'est flashable ou pas Je, je n'en sais rien, je lui poserai la question. Et puis je vous, je vous, tiendrai, je vous tiendrai au courant. Euh, évidemment, euh, j'ai switché tout à l'heure parce que je voulais... Quel bonnet, j'y crois pas. C'est ça les plus grands streamers. J'ai je, 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 switché de page, j'ai monté la, la page, je vous parlais de... C'est pour ça que tu demandais le lien, je comprends mieux. J'avais coupé la page, donc évidemment, ça servait à rien. Euh, non, t'inquiète, je pense que je saurai quoi faire avec. Il n'y a pas de souci, puis je vais l'utiliser en, en badge, en conférence, donc il n'y a pas de, pas de problème. Euh, Qu'est-ce que j'avais... Ah oui, je voulais vous parler, je vous envoie le lien. alors c'est coup double en l'occurrence, ça va vous permettre, hop, je vais zoomer. De faire connaissance si vous ne la connaissiez pas déjà avec Shannon Morse dans le l'avatar Snubs euh, qui alors je l'ai découvert à l'époque où je m'intéressais et je me suffit que ça me revienne en tête pour que je zappe le truc évidemment. Je vais aller voir sa page links s'il y est dedans. Euh, ça, c'est par le passé, je crois qu'elle ne travaille plus pour eux. Euh... Si je passe par son site web, est-ce qu'elle en parle Donc, voilà, maintenant, voilà comment elle se définit. Donc, elle est jetée un coup d'œil. En tout cas, je l'ai connue par euh, un site tech qui faisait des, des tas de, de sujets autour de la sécurité, euh, sécurité réseau. Euh, non, non, t'inquiète, New Web, hein, tu, peux, tu, peux, tu peux continuer. Si j'ai des réponses, je te donnerai les, les réponses, il euh, n'y a, a pas de souci. Et donc Shannon, oh là, je, ça m'embête de ne pas retrouver. Vous savez, c'était eux qui fabriquaient voilà le Wi-Fi Pineapple Hack 5. Voilà, donc elle a été, et je crois qu'elle ne l'est plus, longtemps euh, animatrice euh, de, la, de la chaîne pour Hack 5, et ça parlait beaucoup de sécurité, de, de tas de sujets comme ça. Non, c'est pas Shannon Doherty, qui euh, était donc entre autres actrice de séries euh, comme euh, Beverly Hills et, euh, et Charmed, qui nous a, qui nous a quittés euh, suite à un concert, si j'ai bien suivi. Et donc c'est Shannon Morse, euh, donc, euh, créatrice de contenu, productrice, elle se définit par plusieurs choses, vous verrez par vous-même. Et là, elle réagissait à... Euh, Quelle était... Ah voilà, c'est par rapport au site euh, Lifehacker qui postait euh, une liste de leurs euh, youtubeurs tech favoris et euh, ils avaient inclus euh, absolument aucune femme. Euh, le lien, bah, tu peux partir du, du, du lien que j'ai mis là avec son, son tweet. Tu vas par son profil retrouver euh, toutes les infos. Et elle disait, euh, ce pas, euh, pas que je sois jalouse de pas être sur la liste, peu importe, mais comme ça, là, euh, vous donnez... Euh, vous donner des liens sur des youtubeurs, mais que des mecs, alors que sans me forcer, je peux vous sortir 15 noms de, de femmes qui produisent du contenu YouTube tech de grande qualité, et donc elle a toute une liste. Donc euh, c'est cette liste que je vous partage, qui est une succession de, de ces tweets. Euh, pac, pac, pac. Voilà. Si on part de là, vous avez la totale. Et euh, je les ai pas toutes encore parcourues. Euh, je suis pas allé voir tout ce qu'elle proposait comme. Euh, comme contenu, mais j'ai vraiment trouvé des super chaînes. Euh... Ah, attendez, notamment, je vais aller vérifier si c'est bien elle. Ouais. Voilà. Euh... Oui, alors il y a Naomi qui est... c'était intéressant ce que j'ai trouvé sur sa chaîne, mais c'est pas elle que j'ai noté tout à l'heure. Euh, pour la partie matos, il y a Sarah qui conseille beaucoup de choses autour des, des caméras, donc ça, ça m'éclate bien. Euh... Mais c'est pas du tout... Mais ça m'embête de pas retrouver. C'est Luria alors peut-être. Ah oui, c'est elle. C'est Luria qui donne beaucoup de conseils. Et elle a fait toute une série, notamment sur les thumbnails. Et je suis curieux de, de, de les regarder dans le détail. Euh, J'ai survolé. Euh... Euh, oui, oui, euh, Snubs, euh, bien sûr, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Shannon Morse. Je peux vous donner le lien, le lien de ces liens, comme on dit. Hop, voilà. Alors si ça passe encore par Twitter et que tu veux pas que ça passe par Twitter, je peux copier le lien très très directement. Tac, voilà. Donc que ce soit elle ou toutes les youtubeuses tech qu'il y avait sur cette liste, c'est elle, j'avais lu des tests matériels et des conseils côté YouTube, ça m'intéresse beaucoup de savoir voilà, les, petites, les petits trucs et astuces qu'elle conseille, il y avait vraiment des super trucs, et après j'en avais d'autres sur... Alors là, voilà, la partie... Euh, mais je suis bête, c'est oui. Vous connaissez déjà sur cette émission comme oui, comme oui Cosplay. Il y a toujours des, des trucs fantastiques à montrer. Donc voilà, il y a, il y a au moins 15 liens et n'hésitez pas à tout parcourir. Et exactement ce que tu viens de dire, euh, New Web, ne pas hésiter à, euh, à changer, à essayer, à parcourir un peu, parfois au pif s'il faut. Euh, ça peut vous amener sur des chaînes passionnantes. Euh, voilà, en tout cas, j'ai toujours découvert des trucs super sympas grâce à Shannon Morse. Donc euh, vous pouvez en elle-même la suivre, à elle. Attention l'éternement. C'est toujours très très intéressant. Voilà pour la partie un peu euh, YouTube. Euh, L'autre projet, je vous ai mis un lien qui doit être le lien... Je crois que c'est un lien de chez Beersteak au départ. Oui c'est ça. Qui parle d'un pass open source. Alors il le présente en alternative libre à Netlify ou Vercel. mais en allant voir le projet... Euh, J'ai vu que ça allait quand même euh, même beaucoup plus loin. Euh, tac tac tac. Si on va carrément dans la partie doc, comme ça, je vais vous donner le lien directement de ça aussi, si vous voulez. Hop. Je vous le mets dans le chat. Euh, ah, j'aime bien. J'ai pas. Euh, je vais je, probablement essayer d'en déployer un pour voir un peu comment ça fonctionne. Euh, de ce que j'en vois, il y a quand même quelques concepts qui me semblent euh, euh, différents. Alors, savoir s'ils sont efficaces ou pas, c'est à voir. Euh, il y a un concept d'utilisation au sein euh, de ce que vous allez monter quand vous installez euh, le produit donc, Tau, de Tobite. Euh, vous allez pouvoir installer sur différentes machines euh, tout ce qui va composer votre, votre cloud et vos capacités d'héberger de, des applications. Et euh, toutes ces instances communiquent-elles avec un, un protocole en peer-to-peer -peer entre elles euh, Voilà, je suis curieux de savoir euh, euh, ce qu'ils euh, qui proposent. Alors il y a le côté effectivement euh, versel ou Netlify parce que il y a tout un aspect euh, GitOps euh, en fonction de, de vos commits qui va aller déployer euh, votre application et tout ça. Mais euh, ouais, ouais je, je me le suis noté là, c'est vraiment un truc de. Je l'avais mis de côté, j'ai regardé en préparant là pour l'émission. Et euh, j'ai envie de creuser sur le truc euh, des, des principes tout bêtes, mais on ne déploie qu'un seul binaire, rien de compliqué autour. Donc euh, peut-être que c'est juste des promesses et que le, le résultat n'est pas à la hauteur. Mais euh, là, sur le papier, euh, c'est plein de bonnes idées. Euh, et. Euh Et voilà, il vous partage un certain nombre d'idées. J'ai vu que c'était assez facilement extensible avec un système de plugins qui sont à délivrer sous, sous format WebAssembly. Donc il y a plein de, de petites choses intéressantes à picorer, sur, ne serait-ce que sur leur doc avant même d'avoir utilisé le produit. Ça m'a fait me poser plein de questions et, et pourquoi pas. Après, je ne sais pas si c'est une bonne idée de se mettre en, en frontal avec Kubernetes puisque. Peut-être qu'il y a des cas d'usage où, effectivement, ils jouent le même rôle, mais j'ai l'impression qu'ils sont à cheval entre ces univers, autant, autant cultiver leur, euh, leur particularité. Salut Guillaume Ça ne me paraît pas, euh, pas déconnant. Et, oui, bah, tu connaissais peut-être Dadido Bah écoute, euh, moi j'ai découvert ça, je, je vais regarder de plus près. Je ne je sais pas, je, je, la curiosité en parcourant leur, euh, leur repository... Et, euh, et, et leur doc, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez, captivant. Et en parlant de choses captivantes, hop. Euh, depuis quelques temps, alors d'abord c'était, une curiosité double, hein, c'était parce que j'essaye je, je, de, je me bats, vous savez, depuis un moment là, j'ai eu des hauts et des bas. Euh, J'essaie de, de maintenir mon apprentissage un peu. Euh, je, je suis vraiment à la ramasse sur l'apprentissage de mon alphabet euh, en japonais, mais euh, j'essaie de ne pas lâcher l'affaire. Donc j'essaie je, de voir des contenus comme ça, puis je m'amuse à, à picorer les quelques kanas que je connais. Mais du coup, de temps en temps, je tombe sur des trucs euh, qui sont assez rigolos. Et je n'ai aucune idée de... J'ai l'impression que c'est un truc en crowdfunding pour l'instant. Je ne sais pas si... J'ai l'impression que l'appareil qui est concerné c'est le module que vous voyez avec les boutons mais en même temps il y a une espèce de, de guitare à côté et ainsi de suite et, euh... et j'ai trouvé ça marrant je j'ai parcouru un peu c'est c'est ça... c'est pas un truc ultra nouveau non plus ça vous propose de de créer des espèces de grilles d'accords mais que vous pouvez moduler avec un objet ou avec les boutons directement c'est pourquoi pas. C'est une approche, euh, je pense déjà intéressante euh, de pédagogie musicale, donc euh, donc ça peut ça peut être marrant. En tout cas, moi je me suis noté à suivre. Euh, là, c'est un peu trop pour euh, euh, pour le moment pour mon niveau de compréhension de ce que c'est. Euh, c'est encore un peu tôt, mais euh, c'est tout à fait le genre d'objet euh, qui peut finir sur calme euh, avec un immense plaisir. Mais là, on est sur du crowdfunding au Japon. Donc, euh, on va, on va laisser refroidir deux minutes, euh, on va laisser passer les vacances et puis on verra euh, où en est ce, ce projet. Je trouve l'idée super intéressante, c'est euh, un ricochet de euh, plusieurs tweets et documents de chez M5 Stack, puisque le module principal, on le devine là, un peu en haut à gauche du module avec les boutons là, sur la table, c'est un M5 Stack Core quelque chose. Euh, donc c'est une intégration. Euh, c'est marrant que vous avez choisi d'intégrer directement comme ça, mais pourquoi pas. Et euh, ouais, ouais, je suis très curieux. Euh, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Euh, non, la taille de l'écran me pose pas de souci. J'ai, alors pour la peine des produits de chez Line 6 pour euh, avec lesquels je fais vraiment de la musique, qui ont des écrans euh, parfois pas plus gros que ça. ça peut, euh, avec une bonne, euh, une bonne UX, une bonne UI, euh, ça peut parfaitement fonctionner. Donc je vous tiendrai au courant si ça évolue. Si vous, vous avez. Euh, bah, c est, c est, ouais, si vous avez des pistes sur ce genre de projet euh, qui mêle un peu de code d'électronique et de musique, euh, je suis toujours preneur. Euh, de toute façon, euh, j'ai un petit truc en maturation là, qui devrait aboutir, hein, je pense, vers la fin de l'année. Euh. Depuis le temps que je vois passer, des talks, notamment, j'ai pu voir un talk de... Sylvain Wallez qui utilise la norme Web Audio et Web MIDI. Je sais qu'il y, bah, y a Olivier qui a fait aussi un talk que je n'ai pas pu voir parce que j'étais dans le train déjà sur le retour. Euh, mais c'est pareil. Il y a tout un tas de, de sujets qui peuvent mêler euh, tech, audio, musique. Mais je pense que il faut que j'y arrive, il faut que j'y parvienne. Je, ça serait vraiment un, un petit objectif personnel très satisfaisant d'arriver à mêler tout ça. Donc voilà, pourquoi pas ce genre de, ce genre de produit qui peut sembler être un délire, mais euh, euh, C'est euh... ouais, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre de ce type de projet. Je suis sûr qu'il y a des choses super intéressantes à faire avec. Donc voilà, je me suis mis à suivre un peu tous ces tous ces comptes, ces choses comme ça. Bah j'ai pas suivi le projet cœur là, Instacord, je vais le suivre aussi. Euh, voilà, ce genre de choses, moi, ça, ça me fait sourire dans un premier temps, mais ça me fait poser plein de questions. Donc, euh... donc, 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 je trouve ça très, très bien. Euh... Un dernier sujet pour la route. Alors je l'ai vu passer sous différentes formes relayées par différents comptes, peu importe. Euh, J'en avais parlé il y a un moment. Euh, voici Viper ID qui dorénavant euh, intègre un, un émulateur qui permet d'avoir de quoi coder en utilisant Micro Python. Donc vous avez euh, comme si vous étiez un peu avec Tony avec un, un nouveau device, mais là on est dans la version émulateur. J'ai pas encore eu la possibilité de l'utiliser, mais normalement euh, ça permet. Donc depuis votre navigateur, vous allez pouvoir. Et là je je vous le dis tout de suite, il va falloir un, un Chrome ou un dérivé Chromium connecté par USB et programmer un device euh, en micro Python. Euh, ce qui ferait une, une alternative euh, sympa sans avoir rien à installer sur les machines. Euh, J'ai déjà ce type de, de solution quand je vous parle de Gitpod ou de Coder ou d'objets de de produits de ce type-là. On fait des, des ateliers, euh, euh, des ateliers IA notamment avec Stéphane, euh, donc c'est vraiment sympa. Mais si j'arrivais à avoir ce type d'outil où on n'a pas besoin d'installer juste dans le navigateur et on peut faire un atelier. Euh, de programmation embarquée, d'initiation, euh, moi j'avoue que je kifferais vraiment. Donc euh, pareil, euh, c'est dans, dans ma bookmark des trucs à, à utiliser et à tester. Euh, ça peut être euh, un outil vraiment précieux pour plein de cas. Euh, si je fais ça, je ne sais pas ce qu'il me dit d'ailleurs. Ouais, il considère que j'ai un device émulé, donc il me demande si je veux le déconnecter. Ouais, je lui ai dit oui, mais comme il n'y a rien de... Oui oui ça passe par le web serial mais le web serial n'est pas euh... ben voilà si on fait directement on a un web Donc on peut connecter un web sur du micro-python ouais alors c'est en cours d'évolution, j'en ai parlé je crois au dernier euh, calme. Il euh, y a. Salut Conduno il y a euh, une série d'issues chez Firefox qui étaient en sommeil depuis des longues années, qui ont été réveillées ces derniers temps, et il y a un début d'analyse. Oui, oui, alors ils trouvent que c'est une faille de sécurité, et en tout cas c'était la raison invoquée. Euh, ce que j'expliquais l'autre fois, j'ai re remis les liens vers les issues. Ils réutilisent certains cas d'usage, ça ouvre pas tous les cas d'usage, mais... Euh, Ah, je regarde en même temps. Si, si, euh, vas-y, vas-y, Seb. Euh, envoie, bien sûr, bien sûr, euh, que je récupère le lien. Si, si, euh, vas-y, vas-y. Euh, vas-y, Rakiz, envoie la patate. Au contraire, si tu as le lien sous la main, sinon je vais chercher l'email. Mais euh, si, si, n'hésite pas. On va, on va conclure l'émission avec, tiens. Je finis juste sur cette histoire de Firefox où il réétudie euh, la possibilité d'ouvrir une partie des usages de web euh, Et moi, je serai euh, extrêmement client. Euh, parce que ça ça me simplifierait euh, mes graves euh, graves graves grave, certains ateliers ça serait vraiment euh, vraiment sympa euh... toc ben je vais rebasculer là si tu retrouves pas le lien Seb je vais aller chercher mon petit email bouge pas euh... Tadin tadin. Euh... hop où est-ce qu'il est -ce qu je vais vous retrouver ça c'est pour vous conseiller mais je voudrais retrouver l'email parce qu'il y a un peu d'explication avec de vous conseiller un livre qui doit être pour l'instant en précommande Hop. Salut sur le code. Merci Monsieur Rakiz. Hop, on va y retourner par là. Et je rebascule. Que okay, personne ne sorte. Voilà. Le lien que vous a mis euh, Don Rakiz. Euh, C'est marrant parce que je crois que je l'avais. Parce que là, c'est le lien Amazon, mais j'avais euh, d'autres. Je suis vraiment en quiche, moi. Pourquoi je ne le retrouve pas, cet email Ah, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Euh... Voilà, je voulais vous donner. Je vais m'occuper des autres liens. Ne bouge pas. Je les mettrai dans le replay. Tac. Et le dernier lien, si vous êtes plus Fnac, je mettrai les trois liens. Ouh là là, ça m'a fait un lien là. Attends, ça, ça va pas être terrible. Hop, je vais le mettre là. Voilà, c'est un ricochet qui passe par Facebook pour réatterrir sur. Tends-toi Facebook, je veux juste récupérer le lien. Raccourcisseur du d'URL Facebook, c'est pas toujours. Un... Voilà, nous y voilà, je vais vous donner le lien Fnac. Hop. Hop. Voilà, donc vous avez le lien Amazon, Kobo et Fnac. C'est un livre donc qui est sorti aujourd'hui. Euh... Et donc c'est publié par Elise macramis Pététin, et je vous le conseille. Juste, posez-vous pas de questions, ne serait-ce que parce que Elise est quelqu'un d'exceptionnel. Euh, Faites-moi confiance, vous allez passer un bon moment à lire euh, ce qu'elle vient d'écrire. Donc si euh, si vous cherchez une petite lecture d'été là. Euh... Vous allez trouver un chouette format. Euh, là, je vois que c'est le format Kindle, donc ce ne sera pas pour moi, mais entre Kobo et FNAC, je vais réussir à faire atterrir ça sur ma liseuse sans souci. Euh, donc voilà, euh, je parlais de précommande, parce que j'avais dû cliquer sur le lien de précommande. Je suis étonné, je vais aller regarder mes emails, j'ai dû recevoir un truc. Donc n'hésitez euh, pas, partagez. Euh, c'est d'abord quelqu'un de chouette, donc il n'y a pas de raison de ne pas partager. Une production écrite, je sais que c'est tellement de boulot, je sais que vous êtes nombreux et nombreux à vous essayer à l'écriture. Euh, et bien voilà, parfois euh, ça aboutit à la production d'un livre. Donc voilà, je vous lis le, le, petit, euh, le petit résumé. Comment Lise Dupré a-t-elle fait pour arriver à la limite du burn-out alors qu'elle semble avoir une vie familiale, de, une vie de famille idéale dans la réalité, elle partage avec mari et enfant un quotidien trop bien organisé à force de mener une quête impossible vers la perfection et la normalité. Voilà. Et eh bien, c'est un voyage dans l'esprit de quelqu'un qui perd pied avec le réel. Si ça, ça vous donne pas envie, c'est que vous êtes pas assez curieux. Et si vous êtes pas assez curieux, vous vous êtes trompé de live. <laughs> non, mais en plus, ça vaut le coup. C'est un petit prix. C'est, euh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Euh, voilà très bien. Avec le format FNAC, je peux l'utiliser euh, sur ma liseuse, il n'y a pas de... pas de problème. Et bien on va terminer donc sur En Suspension le livre d'Élise. Courez l'acheter. Et puis je vous mettrai tous les liens, bien sûr. Et ben voilà. On aura fait un petit calme, euh, histoire de se maintenir. Euh... Alors si c'est s'est mis à faire chaud ici, euh... c'est un jour on caille, un jour on a chaud. C'est comme ça cet été. Donc courage à ceux qui sont sous la pluie, j'y serai peut-être d'ici ce soir, on verra ça. Je pense que lundi prochain, ça devrait être encore possible de faire encore une émission avant de vous dire euh, vacances. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une excellente euh, fin de journée, passez une très bonne semaine. Euh, je, vais retourner, je vais retourner bosser, histoire de finir la journée et pouvoir replonger dans Diablo 4, n'est-ce pas Allez Ciao, ciao à tous, à bientôt